nous invitons la presse, matin encore une fois, c'est pour nous venir dénoncer le comportement des Nations Unies via avec ensemble de résolutions libres sous Haïti, tant pour 26-99, 26-53, 27-00. Nous disons les Nations Unies que le pas innocent. Mais cependant, nous condamnons tout l'État haïtien qui a une responsabilité avec la justice haïtienne pour t'a convoqué ensemble de monde dans la société à qui sanctionné par les Nations Unies. Cependant, les États-Unis d'Amérique, les mêmes tout, les complotés d'Amérique, sanctionnés tout par les Nations Unies, vu que ça a environ 32 l'année 1991. L'État a financé coup d'État en 1991 et puis l'État a retourné avec l'ancien président Jean-Baptiste Aristide en 1994. Par la suite, nous avons une mission MINUSMA dans le pays qui a quitté le pays vers l'année 2000. 2004, par la suite, nous avons un autre coup d'État forcé par les États-Unis qui a venir avec mission tirer les MINUSMA, qui a battu le choléra, qui a eu un viol sur mineurs, qui a eu un ensemble de violations de droits humains. Eh bien, qu'on y a nous en 2023, nous avons un complotage qui est fait par une force qui est les forces multinationales qui est en tête du pays Kenya, qui la Cali, qui a une maladie qui est l'Ebola. Cependant, nous autres, nous pensons que après sanction ou bien information que experts des Nations Unies ont mis sous ensemble de compatriotes, soit disant dilapidé la jambe au Caribe, n'est qu'il en vend ZAM, n'est qu'il en trafic illicite. Je pense que la justice haïtienne a des responsabilités pâles personnelles pour l'État interpeller, convoquer, inviter les citoyens Sao par devant le commissaire gouvernement dans la juridiction de tout le pays. Pour t'attendre, si on a rébellion avec la justice haïtienne, laisse ça. Nous pensons que l'invitation est supposée faite par devant experts des Nations Unies. Cependant, nous autres, dans la résistance pour Haïti, nous autres, dans la société civile haïtienne pour la souveraineté, nous invitons la population, nous invitons en France, dans le secteur et dans le côté international, là, pour nous dire, premièrement, les États-Unis, les Nations Unies, le Canada et la France, ils ont à la fois jugé parti dans la question ça, les nous considérer Ariel Henry, qui c'est premier ministre, c'est à qui qualité que la communauté internationale la vie avec les États-Unis a supporté là, les n'a gardé qui quantité d'ingérence qui gagne dans le pays. Sur ce, Résistance pour Haïti avec et sur les civils haïtiennes pour la souveraineté, penché déjà, il a préparé à l'encontre un rapport contre les Nations Unies, un rapport suite avec les États-Unis, le Canada et la France, pour nous voyer directement par le tribunal pénal international qui est le pays Hollande, pour nous dire nous jeter des revers de main rapport ça. Cependant, tout le monde qui est nous considéré comme un monde qui suspecte ou bien un monde qui avec la justice, c'est de voir la justice haïtienne. La justice élève une nation, c'est responsabilité de la justice haïtienne. Qui t'a supposé convoquer tout le monde, nous penser ou bien qui sanctionner par Nations Unies. Dans ce sens, nous pensons que nous avons pour nous produire un rapport qui a sorti le 18 décembre, qui a fini là, côté nous prendre un petit rapport qui est échec, ingérence de la communauté internationale en Haïti et les Nations Unies, spécialement les États-Unis, le Canada et la France d'Haïti. Merci. Comment vous Résistance pour Haïti, matin, nous choisissons une conférence de presse pour nous parler encore une fois avec le peuple haïtien. Pour nous dire, peuple haïtien, je dis à la, il y a un signal clair qui lançait, qui montrait nos nécessités pour nous apprendre à vivre ensemble. C'est le signal canal Marie Barouba. Côté l'État pays, c'est fini de ramasser l'argent pour dire à faire canal ça. Et pas bien tout le monde connaît un film qui a un contrat pour faire canal ça.
sous complice l'État, ils mangent comme là, ils ne font pas canal. Mais je dis à la population, ces peuples-là, initiateurs mouvement pour relancer combat pour permettre le pays à reprendre grand aide grand monde. Et nous saluons tout le monde, tout dirigeant, comité canal là, nous dit aucun là. C'est ça fait résistance pour Haïti dans la date 18 novembre. Nous engageons nous. Tout le monde compte qui ça, 18 novembre, représente dans l'histoire du pays. 18 novembre, résistance pour Haïti avec un pile d'autres organisations. Pensez, nous lancer l'ambia. L'ambi combit pour nous planter, combit pour nous reboiser dans pleine Maribaro. Comme ça, tout, dans Port-au-Prince, nous connaissons, c'est 18 novembre lié. Ariel n'a pas arrêté à l'aise dans Port-au-Prince. Ça fait 18 novembre, cap la lancé. Sous pleine Maribaro, et puis dans Port-au-Prince, il y a une grosse mobilisation. Nous ne pouvons pas parler tout pour nous pas saluer quel que soit son tierce personne, ou bien un policier, ou bien quel que soit le monde qui fait filati, qui permet aujourd'hui d'arrêter Félix Badiou, qui est un élément clé dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Tout le monde connaît qui est Jovenel Moïse, c'est le président du pays. C'est ton président, même si il est ton président quelconque. Mais quand même, il n'y a pas de mérité pour l'assassiner. Ça fait aujourd'hui là, nous dit que si il y a un faible reste dans la justice là, que aujourd'hui, après plusieurs audiences, quand ils sont tendés, Félix Badiou, n'a pas demandé. Si il y a un grand juge, si il y a un grand magistrat aujourd'hui là, faut continuer avec l'enquête là pour permettre la présidence haïtienne de justice. Parce que Jovenel Moïse, quel que soit le problème pour les gens avec, c'est vrai qu'il est pour nous faire massacre sur nous, c'est vrai qu'il est pour nous tuer nous, c'est vrai qu'il est pour craser le pays, mais il n'y a pas de mérite de mourir. C'est sous base ça que nous avons fini le petit peuple là. Peuple là, on ne peut pas courir, faire pèlerinage, monter des sangs dans tout le pays. Je dis à nous, c'est Costa Rica à la mode, c'est Mexique à la mode, tantôt c'est États-Unis, c'est la France, c'est Canada. Véritable terre que nous gagnons pour nous vivre là, pour quitter le pays, nous, c'est Haïti Thomas. Je dis à la nous, pour chercher Ariel Ariel dans le pays, qui n'a pas de mandat, qui n'a pas de mission, nous allons côté avec nous. Et Jean-Camarade, là, je parle à là, ça fait nous-mêmes. C'est vrai, rapport et on y a, liberté en déroute, une bonne complotée, une bonne mafia, je dis à la le pays, mais nous avons réservé nos souris. C'est que des gens, je dis à nous, connaissent, doivent être trempés dans le pays, nous ne pouvons pas nous là-dedans. Il faut que nous questionnions ça. Et nous demandons, je dis à la, que la justice haïtienne, qu'elle prend acte, qu'elle continue à mener enquête pour permettre Jodi à la Félix Badiou parler, toute note de Bonvoyo, toute voix de Bonvoyo, l'identité Jodi à la Père Ariel Henry, lui parler deux, trois fois après et avant le mort de Jovenel Moïse. Comment Jodi à la qui paye au monde pour abonner Jodi à la non cité dans le mort comme criminel pour notre pays. La petite papa ici a campé pour me. 18 novembre, nous avons la RIA, mobilisation dans Port-au-Prince, et puis plein de Maribaro, résistance pour Haïti, nous allons planter plantil, nous allons planter nos pères. Merci beaucoup. On va. De la police nationale, Major Bessot. Chers collègues professeurs, membres de la presse, bonjour. Avant toute chose, je dois dire que le sujet que je vais mêler, par le générateur, comporte deux aspects. Il y a un aspect politique, il y a un aspect opérationnel. En toute honnêteté, je ne crois pas que les types et qualités pour valider l'aspect opérationnel. Donc, je choisis de me délibérer de parler sur l'aspect politique. Ainsi, je vais parler des enjeux politiques de cette force multinationale. Comme vous le savez, tout un chacun ici de cette salle, le 18 octobre, nous avons le 4 d'après-midi, le Conseil de sécurité de la Sous-Unie a voté par 13 voix et 2 abstentions. La résolution 26-99, autorisant la constitution d'une force multinationale de sécurité pour Haïti.
c'est de faire, à mon sens, important qu'il doit nous espérer ces Romains ici. Premièrement, cette force va agir dans notre pays, Haïti. Donc, Romains ici, ça nous intéresse. Et ensuite, dans le contexte international actuel, marqué par plusieurs faits, par plusieurs contradictions. Nous avons la principale contradiction, c'est celle qui existe entre des membres du Conseil de sécurité, les décideurs, les États-Unis, la Russie, la Chine. Et pourtant, on a vu que le 2 octobre, il n'y a pas eu d'unanimité, mais la Russie et la Chine ont modifié un peu leur comportement. Ils n'ont pas voté pour, ils n'ont pas opposé le veto. Ils ont laissé passer l'accord. C'est très important à signaler parce que pendant environ 2 ans, ils avaient dit non à la constitution de cette force multinationale. Et autour de cet accord, on a évoqué le grand principe. L'un des principes, c'est un élément nouveau dans le droit international contemporain. C'est le droit des violences humanitaires. Le principe selon lequel les Nations Unies peuvent autoriser un pays ou un groupe de pays à intervenir dans les affaires intérieures de l'autre. Donc, pour plusieurs raisons, on doit se pencher sur la question. Alors, l'évocation de ce principe, dont on a tellement parlé, je dis que, comme haïtien, comme intellectuel, je dois me dire qu'est-ce qui, quel jeu joue-t-on? Est-ce que c'est pour l'amour d'Haïti? Est-ce que c'est pour, parce que subitement, ces différents protagonistes aiment Haïti? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas des intérêts, il n'y a pas des enjeux? Ceci me conduit à lire dans le dictionnaire pour voir ce que signifie le mot enjeu. C'est quoi un enjeu? Un enjeu, c'est une opération de laquelle on peut gagner, mais on peut perdre également. Les pays ont des intérêts, ils agissent en fonction de leurs intérêts. Alors, pour ne pas durer trop longtemps, moi-même, j'ai retenu quelques acteurs. Je me laisse pas faire. D'abord, le premier ministre haïtien au pouvoir, le Kenya, les États-Unis, la Russie et la Chine. Si on se rappelle qu'en octobre, l'année dernière, 2022. Le gouvernement de M. Ariel Henry, sinon M. Ariel Henry lui-même, était fortement critiqué par une partie réticente de l'opposition, l'opinion publique, qui l'accusait d'être de mèche, d'être de connivence
avec les mentis, contre lequel il a bien fait, comme chef du CSPN. Et brusquement, au moment où on s'est accès à venir le moins, en octobre 2022, il a demandé aux Nations Unies d'envoyer une force robuste pour aider le gouvernement à combattre le banditisme. C'est justement de reconnaître qui reconnaît exceptionnel qui reconnaissent la possibilité de recourir aux forces armées dans les relations internationales. Et parmi ces règles, vous avez le fait que ce recours aux forces armées dans les relations internationales, ce recours à la force dans les relations internationales est autorisé par le Conseil de sécurité. Et la deuxième exception, c'est lorsque un État se fait agresser, eh bien l'État en question a le droit de recourir à la force pour se protéger, pour se défendre. Maintenant, la création de cette force répond évidemment à ce premier schéma, à cette première règle d'exception. Cependant, il y a d'autres débats au niveau légal qui met l'accent, qui critique la nature de cette force. Parce que le Conseil, en fait, les Nations Unies, la Charte parlait de mobilisation des forces par les Nations Unies dans le cadre des casques bleus pour intervenir. Ce sont ces schémas qu'on a connus à travers les multiples opérations, MINUSTA, MINUA, MANU, etc. Donc vous pouvez comprendre que cette force multinationale ne répond pas à ce schéma qu'on a connu depuis 1993 en Haïti. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu ce qu'on appelle depuis l'agenda pour la paix de Boutros Ghali, un intérêt pour les Nations Unies de permettre à d'autres groupes d'État, voire d'autres régions, d'autres organisations régionales de participer dans ce qu'on appelle un partage de la responsabilité du maintien de la paix. Et pour preuve, il y a même des articles de la Charte, notamment je crois du chapitre 8 de la Charte, qui conforte cet aspect de partage de responsabilité et du maintien de la paix avec d'autres groupes d'États, d'autres États, d'autres organisations régionales. Ce sont les articles 72 à 54 de la Charte. Ce qui fait que évidemment, un État, un groupe d'État, une organisation régionale peut se mettre ensemble pour créer une force de maintien de la paix, pour assurer le retour ou le rétablissement de la paix sur le territoire de notre État, avec la seule condition que la création de cette force soit autorisée par le Conseil de sécurité. Et c'est ce qu'on a eu ce 2 octobre. Donc ce qui fait que la création de cette force multinationale répond aux desiderata de la Charte de San Francisco, notamment aux desiderata du chapitre 8, les articles 52 et 54 de la Charte, parce que la création de cette force multinationale a été autorisée par le Conseil de sécurité. Et l'article 54 va plus loin et exige que la mission de cette force, de manière continue, soit encadrée par les Nations Unies. Donc, ce qui fait que les Nations Unies vont avoir un certain contrôle, un certain regard sur le développement de la mission de cette force. Et j'ai répondu à la première question, à ce premier aspect légal. Maintenant, il s'agit bien entendu d'une force qui a été créée sous l'égide du chapitre 7. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, écoutez, le chapitre 7 permet aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, de mobiliser des forces armées pour intervenir sur le territoire d'un pays ou sur le territoire de plusieurs pays à chaque fois qu'on a identifié au moins trois situations. Et quelles sont ces trois situations? Soit une situation de rupture de la paix, une situation de menace contre la paix ou un acte d'agression. Eh bien, vous allez lire la résolution, et bien on a associé justement et la situation, on a assimilé la situation haïtienne à une situation de menace de la paix internationale, de la paix régionale, sur la base de l'article 33 du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Eh bien,